4 horoscopes du cancer. Alors, vous avez un trigone à Saturne en poisson, un trigone à Neptune en poisson et un carré naturel à l'axe des nœuds du monde, hein, bélier balance comme d'habitude. Alors, pourquoi je dis comme d'habitude? Parce qu'il y en a encore pour un an. Bon, alors, c'est un très bon mois hein, pour vous, pour les cancers, qui se sentent en fait à la fin d'un cycle. Et comme j'expliquais dans un autre signe, la fin d'un cycle a toujours quelque chose de positif, que c'est aussi le début d'un cycle. Alors pourquoi fin de cycle pour vous? Alors d'une part parce que Saturne et Neptune qui sont en poisson vont bientôt partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos résistances internes, vos certitudes internes sont en train de se défaire. Toutes les émotions renfermées, c'est plutôt pour les bateaux, renfermées à l'intérieur, sont en train, d'une certaine manière, de sortir et donc de se défaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui prend une place énorme et se défait incroyablement, etc. On est juste dans quelque chose qui est en train de se défaire comme une eau qui rentre dans la terre et qui est en train, en fait, de se défaire complètement. Donc, en fait, vos émotions s'apaisent à mesure. Le retour, en fait, de Pluton, qui retourne en Capricorne, va faire de la mise en place matérielle sur des événements qui ont eu lieu de manière récente, c'est-à-dire que ça va finir de ranger les choses. En gros, pour un autre signe, j'avais dit que c'est la deuxième salle de ménage de l'Airbnb qui arrive. Là, pour vous, en fait, c'est plutôt, la secrétaire super organisante qui arrive, qui met en place les trucs, qui finit les processus, etc. En gros, vous êtes juste dans une mise en œuvre des choses, des processus, donc il n'y a pas besoin particulièrement de s'inquiéter. Vous allez de plus en plus en fait vous sentir la place en positif déjà de vouloir être qui vous êtes, comme si une étape de vie, alors ça peut être réel, ça peut être symbolique, mais vient de se clore. C'est-à-dire qu'on sent vraiment, si vous voulez, l'étape de vie qui est en train de se terminer, la nouvelle qui commence, et un peu aussi l'effervescence et la joie d'une nouvelle période. Donc en fait, la chose qui est très importante, c'est de sortir d'une période pour rentrer dans une autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas continuer tout simplement, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas connu un grand bouleversement. Si vous avez connu un grand bouleversement, c'est assez clair pour vous qu'il y a une autre époque qui commence. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce grand bouleversement que vous n'avez pas vu, il est pourtant réel. Donc ça veut dire qu'il faut changer de manière d'être. Alors vous êtes les rois et les reines du progressif, hein, vous cancer, donc ça veut dire qu'il faut progressivement prendre la place de faire cette évolution dont vous avez besoin. Alors, en tout cas, vous allez progressivement voir également en quoi vous allez pouvoir vous poser, ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir vouloir. Il y a un idéalisme aussi qui est là sur les projets d'avenir, c'est-à-dire que vous avez envie de pouvoir tout faire. Vous êtes un peu timide, hein, mais en fait, vous ressentez cette envie de vivre qui revient et qui rejaillit un petit peu de toutes parts. Et c'est aussi important pour vous, si vous avez l'occasion, on va dire, de revenir vers un certain nombre de personnes, voyez, un petit, si vous avez passé un cap, j'allais dire c'est facile à identifier, mais si vous ne l'avez pas passé, si vous avez la sensation de ne pas l'avoir passé, en fait vous l'avez passé émotionnellement. Donc en tout cas, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui est vivant ou mort en disant bah tu vois finalement j'ai fait ça, bah tu vois finalement bah j'ai survécu à telle chose, bah tu vois finalement j'ai commencé telle chose qui était importante, ou tu vois finalement et bah j'ai tiré une croix sur telle chose. Si vous avez besoin de le dire, comme je vous dis, à un absent, à une absente, à un vivant, à une vivante, à un mort ou à une morte, faites-le. C'est très important, en fait, de se tenir devant et de dire, bah voilà, tu peux être fier de moi, j'ai fait quelque chose. Alors, tout cela est très symbolique, mais en vérité, il faut savoir que vous, vous êtes des êtres surtout émotionnels, en fait. Donc, vous êtes des gens qui portaient toutes vos temporalités, passé, présent, avenir, tout à l'intérieur de vous. Donc plus vous serez au clair sur vos émotions, plus vous arriverez en fait à passer cette étape. Alors, après, on a donc le carré à l'axe des nœuds, donc il y a des difficultés, des conflits avec des gens autour de vous, des ajustements financiers à faire. En fait, c'est très important que vous vous positionniez sur toutes les petites choses, que vous ne laissez rien filer, que vous soyez le plus présent possible sur tout. Après, il y en a beaucoup à faire, hein, on voit une grosse masse de choses à faire, c'est pas grave, il faut bien effectivement se positionner et tout faire. Alors professionnellement, il y a beaucoup de soutien et de perspectives aussi qui se mettent en place. Vous vous sentez en fait porté par un grand mouvement d'expansion et la sensation aussi que des développements sont à attendre. Alors, je vous adore, hein. Je sais que vous aimez, vous êtes plutôt, j'allais dire, des gens qui sont très attentifs et qui savent saisir les opportunités.
là, on va être fou. Je vais même vous dire, en fait, de vous positionner pour les opportunités, voire même d'aller les chercher. En fait, c'est vraiment un bon moment pour lancer des choses, pour savoir ce que vous voulez, essayer de bouger vers ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez besoin de faire des investissements financiers, des arbitrages qui vous feront peur, il faut quand même les faire si vous avez besoin, en fait, de mettre le booster pour commencer une formation ou commencer quelque chose qui vous inquiète un peu. Il faut le faire. En fait, vous entrez là dans une période de vie où justement on vous demande d'affirmer ce que vous voulez et ce que vous êtes vraiment. Et c'est en partant du réel et non en fait de vos désirs ou de vos peurs. Donc ça, pour vous, c'est un gros challenge parce que on vous demande, j'allais dire, ni ce que votre âme désire, ni ce dont elle a eu peur, ni ce qui l'a marqué, ni ce qui l'a heurté, mais vraiment, si vous voulez, de dire ce que vous voulez et d'y aller, de mettre en œuvre. Alors, c'est un gros challenge, mais en le relevant, c'est vrai que vous allez en fait mettre en place une vie meilleure dans tous les domaines de votre existence. Alors, personnellement, vous vous sentez vraiment plein à ras-bord. Alors, merci Neptune hein, et Saturne en poisson, plein à ras-bord en fait, d'émotions. C'est une nourriture en fait, que vous transformez en accomplissement. C'est-à-dire que pour vous, les émotions, la seule manière de chasser les émotions négatives, c'est d'avoir des émotions positives. Il ne faut pas que vous pensiez que vous allez pouvoir être sans émotions. C'est impossible pour vous. Vous devez remplacer toutes les émotions par d'autres. Alors vous savez mieux qui vous êtes en comprenant aussi la complexité de ce que vous sentez et en y mettant de l'ordre. Alors comment vous mettez de l'ordre? En rajoutant des émotions positives et ensuite de ça, non pas négatives, et ensuite de ça en mettant votre ordre à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre que pense meilleur des amis, de la famille, des gens, non. Mettez votre ordre, soyez au clair sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous? C'est la seule chose qui est importante. Qu'est-ce que vous sentez? Où est l'élan du cœur? Où est-ce que ça parle? Qu'est-ce que vous désirez réaliser? Où est-ce que vous allez mettre en place votre vie? Donc vous avez de manière récurrente très très peur de mal faire, ou de ne pas être légitime, ou de manquer de confiance en soi. Alors en fait, le problème, c'est que c'est pas parce que vous allez lire des livres ou faire des coachings que vous aurez plus de clés sur vous-même. En fait, le principe, à un certain moment, c'est d'oser prendre votre place, tout simplement en vous disant qu'il n'y a personne d'autre qui va la prendre. En fait, c'est tout simplement vivre. Puisque, en fait, la seule chose qui vous rassure, vous, c'est de faire, c'est la réalité. Donc en fait, les préparations, j'allais dire, au fait de sauter dans l'eau, vont avoir un effet inverse sur vous, c'est-à-dire que ça va avoir un effet extrêmement stressant, parce que vous pouvez vous dire à un certain moment, mais quand est-ce que je vais me jeter dans l'eau si j'ai peur? Bon, voilà. Alors, mon conseil de rentrée, ne pas confondre les peurs et les expansions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à gérer les petites choses, ça c'est les peurs, mais rêver les grandes, et non pas rêver les petites, hein, et essayer de mettre de l'expansion sur des trucs minuscules. En fait, il ne faut pas non plus penser qu'il faut tout régler pour pouvoir aller plus loin et plus grand. Vous ne réglerez jamais tout. En fait, la vie, c'est un processus qui vous ramène constamment trop de choses à faire. Donc, si vous essayez de tout régler, de tout mettre en place, ça ne marchera pas. En fait, l'idée, c'est se redimensionner de la manière, en fait, à se déployer le plus possible. Et aussi, reprendre main avant que Neptune ne parte en début 25, reprendre main sur votre dimension d'idéal. C'est quoi pour vous votre vie rêvée? De manière, en fait, à ce stade, c'est peut-être pas la même chose qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, que dans 15 ans, on s'en fout. Là, aujourd'hui, quelle est votre vie rêvée? Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est parce qu'on saura vers quoi vous aspirez que vous allez pouvoir nourrir tout ce qui est essentiel en vous et que tout, donc, deviendra beaucoup plus simple.